Ouais. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Salut Arnaud. Salut, tu vas bien? Impeccable. Bon, salut Raymond. Salut Mathias. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Hein. Ben, ça fait, c'est sympa de voir autant de monde, en tout cas derrière, derrière l'écran, un samedi à 17h30. On va commencer par un petit mot du président. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je me présente Raymond Michel, président de la UC Tennis Padel. Et bienvenue sur cette chaîne de la UC, ce nouveau média qui est mis en place par Olivier. C'est sympathique. Finalement, je suis très fier et très honoré de la présence d'Arnaud. Je ne vais pas vous présenter ni son palmarès, ni son machin, parce que ça serait trop long, on en aurait pour 8 mois. Vous savez que c'est quand même... un enfant du Pays d'Aix qui a représenté le territoire et la France sur toute la planète par ses performances et, et surtout par sa gentillesse et son altruisme. Un garçon que j'aime beaucoup et que je connais depuis très longtemps, depuis tout jeune. C'est vraiment. Et en tout cas, merci à tous d'être là et sincèrement, on vous aime beaucoup et sachez qu'on est proche de vous et qu'on sera toujours là pour vous. Puis nous avons la chance d'avoir Arnaud Clément à nos côtés pour inaugurer la chaîne Radio-TV AUC Tennis Paddle. Je remercie tous les éducateurs qui m'ont aidé à préparer cette interview. Mathias, qui est co-directeur sportif de la structure avec moi. Laurent Imbert, David Dupuis, Valentin, Bastien, Thomas, Fabien. Merci pour deux éducateurs, Lucas qui est DE au club et Florian qui est AMT au club. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Monsieur Arnaud Clément. Je m'appelle Florian, je suis assistant moniteur de tennis. Aujourd'hui, je serai co-animateur avec Olivier. Donc, première question, Monsieur Clément, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans cette période de confinement? Ça se passe bien, je ne peux pas me plaindre. On est dans une belle région, même si on a eu 2-3 jours de pluie récemment, on a quand même eu depuis le confinement un temps vraiment sympa. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin. J'ai un petit qui a 2 ans et demi, donc voilà, il s'amuse dans le jardin et je passe beaucoup de temps avec lui et voilà on fait un petit peu comme tout le monde mais dans des conditions un petit peu privilégiées. Un style reconnaissable entre mille, bandana sur le front pour éviter les gouttes de sueur, lunettes sur les yeux légères mais tenaces, des jambes qui moulinent et qui ont fait plier plus d'un joueur. Il nous a fait vibrer lors de matchs marathon par sa ténacité, sa volonté de mouiller le maillot au sens propre comme au sens figuré. Aujourd'hui focus sur un pilier du tennis français et un amoureux inconditionnel de sport. J'ai nommé Monsieur Arnaud Clément. La baguette choisit son sorcier, la raquette choisit son joueur. C'est un peu le sentiment qu'Arnaud a ressenti quand pour la première fois de sa vie, il joua au tennis avec son frère, une passion qui ne le quittera plus. Arnaud Clément, c'est un chemin atypique, comme on aime le raconter dans les meilleurs livres d'histoire. Après un bac réussi avec succès, ses parents lui proposent le cadeau rêvé de fin d'année, une année 100% tennis pour le récompenser. Il n'a jamais vraiment eu la volonté de devenir professionnel, mais le professionnalisme viendra à lui durant ces 2 années où il éclot au haut niveau. Les pieds dans le bain, Arnaud Clément connaîtra rapidement la clé du succès en gravissant les échelons du classement mondial. Durant les années 2000, sa carrière est à son apogée avec une prestigieuse victoire en quart de finale à l'US Open contre le numéro 1 mondial de l'époque, André Agassi. En novembre de cette même année, grâce à une plus grande agressivité et un jeu vers l'avant, plus prononcé, il parvient à remporter son premier titre ATP à Lyon en battant en finale l'expérimenté Patrick Rafter. 2001, l'Odyssée de l'espace? Non, on pourrait dire plutôt 2001, l'Odyssée de Clément. L'année démarre sur les chapeaux de roue avec un tournoi d'Australie exceptionnel où il éliminera son passage un certain Roger Federer et en demi-finale son partenaire et ami Sébastien Grosjean. Pour ce natif d'Aix-en-Provence qui est loin d'avoir suivi un parcours ordinaire, c'est la consécration. Et malgré une défaite assez sévère contre Agassi, ce souvenir restera pour lui un des plus grands moments de sa riche carrière. Jamais un moment fort sans un deuxième. Cette même année, Arnaud Clément jouera un rôle décisif dans la victoire de l'équipe de France avec un match marathon qui le verra s'imposer contre Marc Rosset en quart de finale. La carrière d'Arnaud Clément est à l'image de ce qu'il démontrait sur le court. Un joueur qui faisait transpirer ses adversaires en ne commettant jamais la faute. Ce coureur contre heure, comme on aime à l'appeler, a livré un des plus mémorables combats de Roland Garros contre son compatriote Fabrice Santoro. 6h33 de jeu, 16-14 au dernier set, Arnaud avait ce jour-là été clément pour permettre à Fabrice de l'emporter. Ce record tiendra 6 ans jusqu'à l'arrivée du match sans fin par la montagne américaine Isner et un autre Français, Nicolas Mahut.
une combativité exemplaire qui lui permettra de revenir au premier plan en gagnant son tournoi de cœur, l'Open 13 de Marseille, en éliminant sur son passage un autre espoir du tennis mondial, un certain Rafael Nadal. Performant en double grâce à sa volée implacable, il remportera le tournoi de Wimbledon aux côtés de son compatriote Michael Diodra. Son dernier baroud d'honneur en 2012 restera à jamais gravé dans le cœur des Français. À 35 ans et dans un énième marathon, il se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de la Porte d'Auteuil en sauvant une balle de match. Exploiter au maximum son potentiel, telles sont la philosophie de jeu qu'a promulgué Arnaud Clément tout au long de sa carrière. Une abnégation qui lui aura permis de battre tous les membres du Big Four et d'atteindre les huitièmes de finale dans chaque grand chelem. Enfin, tacticien et connaisseur, il devient capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis où il atteint la finale. Commentateur chez France Télévisions et désormais consultant régulier chez Eurosport, il n'en oublie pas ses premiers amours en pratiquant du sport chaque jour, dont notamment ce curieux mélange de tennis et de squash qui se nomme le paddle. Et en s'investissant pleinement dans sa ville natale pour devenir directeur du tournoi Challenger d'Aix-en-Provence en 2014. Voici, Monsieur Clément, votre speed intro. Je vous souhaite bienvenue à l'AFC Radio TV. Bon, ben merci, mais attends, c'était pas si speed que ça. Alors, je voudrais deux secondes saluer la présence sur nos écrans de Monsieur Jean-Claude Bousteau, notre président de Ligue. Merci d'être présent, Monsieur le Président. Sur le thème 1, la formation d'Arnaud Clément. Donc, Charlotte, je crois que Charlotte a une question. Ouais, elle est là, Charlotte, elle est prête pour sa question. Bonjour à tous. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Allez, à quel âge tu as commencé le tennis? J'ai commencé, j'avais 7 ans. J'avais commencé à 7 ans avec. J'ai commencé en fait à jouer avec mon frère. Ma mère s'est mise à jouer très tard, justement quand j'avais 7 ans, et on a accompagné justement ma mère sur les cours avec mon frère. Au début, on ramassait les balles, et puis après, on a vite eu une raquette tous les deux. On s'est mis à jouer ensemble. Je crois que Leonardo a une question. Bonjour Arnaud, ma question est pour toi. Qui est le plus grand joueur de tennis de tous les temps et pourquoi? Ah, salut Leonardo. Écoute, c'est pas une question facile, hein, mais pour l'instant, je dirais toujours que c'est Roger Federer, parce qu'au niveau de son palmarès, c'est lui qui a gagné le plus grand nombre de grands chelems. Et puis, on connaît sa classe, son style, son caractère. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui a énormément amené justement au tennis, au-delà même du tennis qu'on adore le voir pratiquer. Je pense que c'est un très grand monsieur, au-delà du joueur qu'il est. Après, il faudra voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si justement on a un Rafael Nadal ou un Djokovic qui arrive à le rejoindre, voire à le dépasser au niveau du nombre de grands chelems. Ça pourra peut-être changer à ce moment-là, en tout cas dans mon esprit, peut-être pas dans l'esprit de tout le monde, mais je trouve que le fait… là, on a 3 joueurs hein, avec Djokovic et puis avec Nadal. Ces 3 joueurs ont gagné tous les grands chelems. Ils ont gagné la Coupe Davis. Ils ont tous une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais Nadal l'a eu, Federer l'a eu en double. Djokovic a dû avoir une médaille, peut-être, mais peut-être pas une médaille d'or. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont quasiment en tout cas, tout gagné, ces 3 joueurs. Donc voilà, ce qui va faire la différence, je pense, en tout cas, c'est le nombre de victoires en grand chelem. Et pour l'instant, c'est Federer qui est devant. Merci Arnaud, merci Lélé pour ta question. À toi Flo. Dorian, tu as une petite question pour Arnaud. Comment ça s'est passé l'entrée au collège pour toi? Salut, c'est Dorian, c'est ça hein? Dorian, pardon. Salut Dorian. Non, parce que sur l'écran, il y avait marqué Dorian. Et vu que tu n'es pas bien au milieu, j'ai ma tête en fait au milieu de ton visage. Voilà, c'est parce que je ne voyais pas bien. Et écoute, l'entrée au collège, oui, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'étais à Puricard, à l'école élémentaire. Et puis après, je suis allé au collège du Sacré-Cœur, et puis voilà, la transition s'est plutôt bien passée. J'ai eu un premier trimestre, j'ai eu un avertissement au premier trimestre en sixième,
Ouais, pour immaturité, c'était écrit sur mon bulletin. Je me souviens pas de grand chose, mais ça, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Et après, je suis rentré dans le, voilà, je suis rentré dans le rang quand même. Et puis là, ma scolarité s'est bien passée au collège et puis après au lycée jusqu'à mon bac. C'est moi le petit Cyril. Ça ah, va, le petit Cyril. Ah ben ouais, j'y étais invité, voilà. Petit Cyril, ben, bonjour à tout le monde. J'ai vu qu'il y a, il y a beaucoup de monde que je connais. Salut tout, à tous. Et puis, il y a pas mal d'enfants. Donc, ben, moi, j'avais une petite question pour Arnaud. Peut-être qu'il va un peu aider aussi les enfants. Et comment, je voulais te demander, comment tu faisais pour jouer aussi bien à l'entraînement qu'en match? C'est une question, je pense, qui intéresse pas mal d'enfants, ça. De jouer aussi bien à l'entraînement qu'en match. Voilà. D'accord. Bon, faut dire, Cyril est un ami proche. Hein. C'est une surprise de le voir là en train de me poser des questions. Mais Cyril aime me poser des questions. Non, mais écoutez, c'est jamais évident de réussir à bien transposer les choses qu'on fait à l'entraînement en match. Et quand on arrive à faire des choses en match, parfois on n'arrive pas forcément tout de suite. Quand on arrive à les faire à l'entraînement, on n'arrive pas tout de suite à les faire en faire en match. Mais c'est en mettant, je crois, énormément de concentration à l'entraînement qu'on arrive à reproduire aussi les choses qu'on veut faire par la suite en match. Et justement, et même quand on est en match, voilà, se forcer aussi parfois justement à être bien lucide et à bien penser à ce qu'on a fait à l'entraînement et comment on l'a fait justement pour pouvoir le reproduire. Mais plus on arrive à faire les choses régulièrement et de manière constante à l'entraînement, plus facile ça sera de les faire après en match. Ça marche pas à tous les coups, ça marche pas tous les jours, même à l'entraînement hein, pour certains. Vous voyez, on a envie de faire des choses et parfois c'est bien, parfois c'est un peu moins bien, parfois c'est encore un petit peu mieux que ce qu'on pense. C'est ça qui est assez passionnant dans le tennis, c'est qu'il y a justement des petites variations, des petites adaptations permanentes à faire. Et des jours on est un peu moins en forme, des jours on est un peu plus, des jours on voit mieux la balle. Enfin, la balle elle est énorme, elle est tellement facile à taper. Des jours c'est un petit peu plus compliqué, mais plus on est appliqué, plus on est concentré, plus on prend du plaisir justement à faire ce type d'effort à l'entraînement, plus facile ça sera de le faire en match. Et moi j'ai toujours aimé la compétition aussi, donc voilà, aussi l'entraînement c'était un moyen justement de travailler des choses que je voulais mettre en place aussi par la suite. D'ailleurs là, merci Arnaud. Hein, ben voilà, j'espère que ça servira à tous les enfants et à moi aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Ah, c'est pour toi. Hein. Ah, ben oui. Quel conseil donnerais-tu à des parents qui rêvent de voir leur enfant champion? Oui, alors je comprends que ça soit bien sûr hein, le rêve de beaucoup de parents, mais la première chose c'est que ça doit être d'abord le rêve de l'enfant. C'est ça je trouve le plus important. Et après moi j'ai eu une chance incroyable et pour moi mes parents peuvent être pris en exemple justement là-dessus. C'est que moi ils m'ont jamais mis aucune pression de résultat, ils ont toujours été à mes côtés, à m'encourager, toujours très présents pour m'accompagner sur les entraînements, sur les tournois le week-end. Ils ont donné énormément de leur temps. Nous, tous les week-ends, toutes les vacances, c'était le tournoi. Pas pour avoir un meilleur classement, pas pour être un champion, mais parce que c'est ce qui m'amusait, ce qui m'éclatait le plus et ce que j'avais le plus envie de faire justement dans mes moments, dans les moments où j'avais du temps. Et je pense que, voilà, en tout cas, grandir dans cet environnement-là, ça m'a vraiment aidé à me construire et ça m'a aidé aussi par la suite à être meilleur. Et voilà, ils m'ont fait un cadeau, comme ça a été évoqué, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, après mon bac, justement, de m'offrir une année complète de tennis. Alors voilà, je ne viens pas d'un milieu pauvre, mais je ne viens pas d'un milieu riche non plus. C'était un vrai effort financier de leur part et ça a été un cadeau. Ils m'ont fait un cadeau extraordinaire. Ouais, le plus important, c'est cette notion de plaisir avant tout. Oui, il faut. Moi, si j'ai quelque chose à dire aux parents, c'est que de toute manière, si vous rêvez que votre enfant fasse une carrière et si c'est aussi son envie, je veux dire, il ne faut jamais perdre de vue le plaisir, parce que même s'il y a des efforts à faire, même s'il y a des entraînements, il y a une certaine rigueur à avoir, il faut toujours garder cette notion de plaisir à l'intérieur de tout ce qu'on fait, parce que
le nombre d'heures qu'on va passer sur le cours, si à un moment donné, un jour, ça devient justement une corvée d'y aller, ben justement, ce rêve va vite s'envoler. Donc, il faut toujours garder voilà, cette notion. Et le plaisir, il se trouve pas simplement dans le jeu, parce que le tennis est un sport qui peut être très ludique, mais il peut aussi se trouver dans l'effort physique, dans la compétition. Je sais, on peut développer justement le plaisir dans beaucoup de domaines dans le tennis. Il faut essayer de le faire dès le plus jeune âge. Oui. Salut Arnaud Clément. Salut. Alors ma question, c'est à 11 ans, quel était ton classement? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que je pense que je n'avais pas de classement à 11 ans? Oui, mais après, tu demandes le reste de classe. Je pense pas, non. Je pense que je n'avais pas de classement encore à 11 ans. Quel âge j'ai eu mon premier classement? Peut-être. Ou peut-être 30, 32, dans ces eaux-là. Ouais. Ouais. Je commençais sans doute mes tout premiers classements, ouais. Ok. Salut Arnaud. Salut. Moi je suis au tennis club de Rognac et moi, je te regarde même maintenant avec les yeux du jeune qui te regarde à la télévision. C'est assez rigolo d'ailleurs. À cette époque où tu as fait juste avant la finale d'ailleurs, ce fameux point, cette balle de match que tu as eue, dans quel état d'esprit tu abordes ce point qui est hyper important puisque tu accèdes à la finale derrière? C'est aussi pour nos jeunes. Hein. Donc, comment tu abordes ce genre de point important? Tu parles de la balle de match de la demi-finale de l'Open d'Australie? Ouais, ouais. Du coup, ouais. Je t'avoue, j'en ai aucun souvenir. C'était un match très particulier. C'est pas un match qui m'a vraiment. C'est marquant dans ma carrière, mais au niveau des émotions, ça a été très particulier parce que c'était contre Sébastien, un ami proche et. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté. Pour moi, il y a deux grands moments que j'ai vraiment dans cette quinzaine. Ça a été ma victoire en quart de finale contre Kafelnikov. Et bien sûr, même si ça a été une défaite assez sèche, la finale contre Agassi, quelques jours après. Mais alors peut-être je vais répondre à ta question, mais en prenant le match d'avant, c'est tie-break du quatrième set, et en fait j'ai des débuts de crampes, et je sais au début de ce tie-break que si je gagne pas ce quatrième set, le cinquième manche va être très compliqué et j'aurai quasiment aucune chance. Donc tout ce tie-break, en fait, je l'ai joué quasiment tous les points comme si tous ces points c'était les points les plus importants de ma vie, et ça l'était peut-être d'ailleurs hein, au tennis. Et cette balle de match, je m'en rappelle, et ben j'ai dû défendre à droite, à gauche, et vraiment des balles qui étaient très loin, mais voilà, mon but c'était vraiment essayer de toucher la balle, de la remettre une fois plus quand j'étais en défense, simplement pour me dire pour me donner lui donner une chance de rater, et c'est ce qui s'est passé. Et avant le début du point, il faut de toute manière, et ce que je pense que j'ai réussi à faire à ce moment-là pour ne pas être rattrapé par des émotions, c'est pas penser justement que c'est une balle qualificative pour une demi-finale, et la seule demi-finale de toute manière de Grand Chelem que j'y ai joué dans ma carrière. Et pour ça, simplement se concentrer sur des choses, sur quelque chose de très simple, même techniquement quelque chose de très simple, au service, prendre bien son temps, bien respirer, au retour, essayer de prendre la balle bien devant soi, se dire si j'ai l'occasion dans le point, quel est son point faible ou son point un petit peu moins fort, parce que sur les points très importants, c'est là où il faut orienter le jeu. Voilà, des choses vraiment extrêmement simples qui font que justement, en se concentrant sur quelque chose de bien précis, on évite justement d'être rattrapé par des choses qui pourraient être émotionnellement plus dures à gérer quand le point a commencé. Oui, super. Bonjour Inès. Bonjour. Est-ce que tu as toujours voulu être joueur professionnel de tennis? Alors, j'ai toujours voulu jouer au tennis, ça c'est sûr, même aujourd'hui encore, ça me manque. Hein. Dès qu'il y a des confinements, j'irai sur un court de tennis pour aller taper dans la balle. Mais j'ai jamais, en tout cas quand j'étais plus jeune, pensé à faire une carrière. Je ne faisais pas partie aussi des meilleurs dans ma catégorie, et donc c'était quelque chose qui était vraiment très lointain pour moi, donc j'y pensais pas trop. Et c'est vrai qu'il y a eu cette année après mon bac qui s'est très bien passée, et puis
Puis la deuxième année aussi, c'est extrêmement bien enchaîné. Donc, je suis devenu en fait professionnel à ce moment-là. Mais voilà, en prenant du plaisir. Et je me suis dit ça à ce moment-là. Et je me le suis dit après pendant toute ma carrière. Et même aujourd'hui, je me le dis encore. Je dis, mais quelle chance j'ai pu avoir. Parce que mon métier pendant plus de 15 ans, quand j'étais professionnel de tennis, c'était ma passion. C'était ce que j'avais le plus envie de faire. Et j'étais conscient d'avoir cette chance incroyable. Donc voilà, je vivais de ma passion. Et donc, non, ça n'a pas été même un objectif. En tout cas, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est venu voilà, après parce que j'ai progressé vite et que je suis devenu aussi autonome financièrement. Donc, autonome financièrement, tu dis, c'est mon métier, je suis professionnel. Et c'est arrivé un petit peu comme ça. Merci. Mon plaisir, Inès. Tu pratiquais d'autres sports quand tu étais jeune ? Non, aucun. J'ai fait quelques semaines de natation, mais ça s'est pas bien passé. Non, sinon c'était vraiment que du tennis. Et non, j'ai même pas essayé, mais j'avais même pas envie d'essayer d'autres sports. Moi, j'ai eu la chance de trouver dès le premier sport que j'ai pratiqué, celui que j'avais envie de pratiquer toute ma vie. Donc après, aujourd'hui, je fais d'autres sports. Hein. Mais c'est vrai que non, quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu comme certains peuvent avoir la pratique de plusieurs sports et un choix fait à un certain moment. Non, moi c'était le tennis tout de suite et exclusivement le tennis. Merci pour ta réponse. Flo, on passe au deuxième thème. Ouais, tout de suite, on passe au deuxième thème. Le parcours à haut niveau d'Arnaud Clément. Chambre, ah, Olivier. Il y a Thomas. Thomas, il est là. Il est là. Oui, bonjour tout le monde. Hey, Arnaud. Un petit jeune. Oui. Je suis désolé, mais c'est les campagnes ici. L'internet marche très, très, très mal. C'est difficile pour moi pour écouter tout, mais ça va. Tout le monde est bien? Oui, on vous entend. Merci. Salut Thomas. Thomas. Salut. Alors Thomas Higuist, c'est un très grand champion de tennis de la même génération qu'Arnaud Clément. Et voilà, on l'a fait venir et c'est un copain d'Arnaud Clément aussi. Il a été finaliste, oui, à l'Open d'Australie. Oui, c'est vrai. Je suis joué contre Arnaud beaucoup de fois. C'est pas facile, c'est sûr. Il a une façon pour prendre toutes les balles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il prend toutes les balles. C'est comme ça. Mais j'ai une très bonne question pour Arnaud parce que c'est intéressant pour aussi. Comprend, je pense, that Arnaud, bien sûr, il est peut-être des meilleurs retourneurs en contre-attaque, il bouge incroyable, mais il n'est pas seulement ça. Pour moi aussi, il est vraiment complet. Il connaît tout, en fait. Il fait beaucoup de service volley, il connaît toutes les services de terre battue, de rapide, et tout ça. Une question pour toi, Arnaud, c'est parce que comme ton taille, elle n'est pas énormément grande comme moi, presque 2 mètres, mais comme tu es très, très complet, quand tu commences pour développer ça, ton grand jeu comme ça, comme tu vraiment joues différent, comme tu joues comme ça, de terre battue, une surface rapide, tu fais beaucoup de service, tu joues comme ça ou ça continue plus tard? Et salut Thomas, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Et quand Thomas il dit que c'était pas facile de jouer contre moi, je peux vous dire que même si j'ai réussi à le battre une fois, je crois, il m'a mis quelques raclées. Il a un palmarès extraordinaire, Thomas. C'est quelqu'un de formidable. Donc voilà, je suis très heureux de compter parmi mes amis. Et pour répondre à ta question, non, en fait. Écoute, c'est quand j'étais plus jeune, non, je venais quasiment jamais au filet. Et je courais au fond du cours, c'est vrai, à droite, à gauche, mais je servais pas très bien non plus. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas beaucoup grandi. Hein, je fais 1m72 par rapport à beaucoup de joueurs. Et en fait, on trouve des solutions aussi. À un moment donné, on cherche en tout cas des solutions quand on est amené à jouer contre des joueurs qui sont plus puissants. Et on se dit, moi, j'aurai jamais un service comme celui-là, un coup droit comme lui. Par contre, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est
moi j'ai des qualités de déplacement parce que je suis aussi plus petit, ben je vais essayer d'être le joueur le plus complet possible pour pouvoir faire des choses que d'autres ne sauront pas faire, et je vais pouvoir justement m'adapter parce que justement je saurais faire différentes choses. Donc je me suis mis à jouer en double au début. Alors j'ai eu la chance d'avoir des bons résultats après en double, mais au début en fait quand je me suis mis à jouer en double, c'était vraiment surtout pour ma carrière de simple, pour progresser aussi au service, progresser au service volé, progresser au retour, progresser à la volée notamment. Donc ça m'a énormément aidé. Parfois c'est des entraînements en moins aussi quand on est sur les tournois, mais ça fait un petit peu de compétition, on travaille l'œil, on travaille plein de choses avec le double, donc c'était très intéressant. Et après c'était beaucoup de travail dans un petit peu tous les domaines. Et c'est vrai qu'on dans le tennis, on dit ben, il faut travailler ses points forts, mais bon, il faut aussi travailler ses points faibles, il faut un petit peu tout travailler. Et c'est un petit peu, moi, ce que je faisais. Moi, j'ai jamais eu un gros point fort, et j'ai essayé le plus possible de ne pas avoir non plus de points faibles dans mon jeu, et de pouvoir trouver des solutions à un moment donné, justement, quand j'avais une certaine problématique en face de moi qui était un petit peu différente. Donc, parfois, ça marchait, hein. Parfois ça marchait un petit peu moins bien aussi, mais en tout cas je savais que je pouvais tenter des choses, et le travailler beaucoup, ça me donnait confiance après pour pouvoir le faire en match. Ouais, c'est vrai, merci. Et dans tes cas, parce que tu joues bien, comme je dis, toutes les surfaces, même pour toi, c'est ton meilleur surface, tu penses? Terre battue, c'était dur pour moi. Hein. Pour nous, c'était plus dur, la terre battue, Thomas. Ah oui, là, c'est sûr. Pour nous deux. Mais moi j'adorais tout ce qui était rapide, tout ce qui était très rapide. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'ai commencé à jouer, quand j'étais professionnel, au début, fin des années 90, début des années 2000, les surfaces indoor, Taraflex, qui étaient très rapides, où les balles, elles fusaient. J'aimais beaucoup ça. C'est une surface qui a disparu. Mais je retrouvais un petit peu ça sur le gazon. Moi, j'aimais beaucoup le gazon, voilà. Gazon, indoor et tous les surfaces un petit peu sur dur, un petit peu plus rapide. Ouais. Florian, tu peux faire un tout petit truc sur Thomas en quelques secondes, c'est possible? Bien sûr. La personne que vous avez entendue, chers adhérents, c'est Thomas Hinquist, ancien joueur professionnel de nationalité suédoise et ancien numéro 4 mondial. Il a atteint la finale de l'Open d'Australie en 1999. C'est un grand athlète et ami d'Arnaud qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous. Nous le remercions chaleureusement. Merci beaucoup, Flo. Merci, Flo. Tu es trop jeune pour connaître ça, mais ça va, Google. Merci, Thomas. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, c'est la question de Cédric. Est-ce que tu aurais préféré affronter un Schwartzman, c'est-à-dire le même style, ou alors un John Isner? Si j'avais à choisir, un Schwartzman, c'est toujours très frustrant de jouer contre ces grands serveurs où il n'y a pas beaucoup de rythme, où il n'y a pas beaucoup de, où il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et non, moi, ce que j'aime aussi, j'aime le sport, j'aime la dépense physique. Et contre un Diego Schwartzman, ouais, on se serait fait quelques bons rallyes. Hein. Enfin, je joue extrêmement bien quand j'étais en tout cas au top de ma forme. Donc plutôt ce type de joueur avec des échanges, des rallyes, des dépenses énergétiques. On court à droite, à gauche, et il faut trouver des solutions. Et ça aurait été des matchs sympas à jouer, ça. Super, merci pour ta réponse, Flo. Vas-y. Salut Arnaud. Alors, Monsieur Lotto. Voilà. Comment ça va? En forme, comme un confiné. Voilà. Donc, justement, ma question, elle a un petit rapport avec cette période d'actualité, ce moment de confinement. On a vu passer ces derniers temps beaucoup de vidéos de sportifs qui faisaient un petit peu étalage de leur méthode d'entraînement. J'ai eu la chance et le privilège de voir et de recevoir ta méthode d'entraînement. J'avais une question par rapport à celle-là, par rapport à elle, mais pour que nos auditeurs comprennent un petit peu mieux la question, si tu me le permets,
J'aimerais montrer la vidéo que tu nous avais partagée pour nous permettre de rester en forme. Vas-y, je ne sais pas ce que c'est, mais vas-y. Bon, alors, j'espère que vous allez voir, vous me dites si vous voyez. J'espère que ça va marcher. J'ai un peu peur, mais... Est-ce que tout le monde a bien vu où je la remontre ? Attendez, je crois que je n'étais pas bien en face de la caméra. Et ouais, dans le jardin. Ouais. Voilà. Donc, ça manque de taper dans la balle. Hein. Ça manque un petit donc, peu. Hein. Voilà, tu en parlais tout à l'heure, tu disais que ça manquait. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. J'ai plus de balles. Donc, si jamais tu avais une autre solution, ça serait. Ouais, tu veux faire le tennis shadow, tu sais, tu veux faire des mouvements, même si vous avez un petit espace, même des gestes à vide, ça maintient bien parce qu'on garde un petit peu justement la gestuelle. Après, c'est pas rigolo hein, de faire ça tous les jours, mais de faire un petit peu, une fois, un petit 5 minutes, 10 minutes, une fois de temps en temps, c'est bien. Mais après, voilà, on fait faut comme on peut, hein, faire un petit peu de sport, faire un petit peu de cardio, un petit footing autour de chez soi, faire un peu d'abdos, un peu de gainage, des petites choses quotidiennes, voilà, qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps. Ça prend le faire régulièrement, ça maintient bien. Après là, c'est vrai que ça fait quand même longtemps hein, qu'on est confiné, mais voilà, je trouve que voilà, il y a toujours un certain bien-être, même après avoir fait un petit peu de sport chez soi, et c'est une petite habitude à prendre. Moi, je suis persuadé que tu le fais hein, aussi, Fredo. Hein. Mais ouais, voilà, j'ai besoin de ça parce que sinon, je deviens très agressif si je ne fais pas de sport. Il faut dire que je remercie un petit peu vous qui avez organisé, hein, Olivier, parce qu'en fait, tous les intervenants un petit peu. Surprise pour moi, ils m'ont tous battu, hein, c'est ça, c'est que des joueurs parce que Fred m'a battu aussi quand j'étais plus jeune. Ah, mais... trop fair play Arnaud. Pas moi, hein, pas moi. Ah mais non, c'est vrai. c'était pour que ce soit un peu plus amusant pour toi, que ce soit rigolo, mais c'est fini, c'est le dernier là. Il n'y en a plus. Est-ce que Florian est de retour ou pas? Ah, j'étais parti ? Ah oui, tu étais parti. Ah. C'est pas grave. Et vas-y, Flo, à toi de jouer. Alors, on n'a pas dit qu'il était Frédéric. Frédéric, c'est un ami de... C'est un prof de tennis. Ça a été un formateur au CREPS pendant des années qui formait les nouveaux profs de tennis. J'ai eu la chance de l'avoir comme formateur. Et c'est un ami d'Arnaud de longue date. Ils se sont joués quand ils étaient jeunes. Voilà. À toi, Flo. Oui, je crois que Bertrand a une question. Bertrand ? Ouais, je suis là. Allez. Salut à tous. Moi, je suis en travaux en même temps, hein. Désolé. Bonjour Bertrand. Bonjour Arnaud. Alors moi, je suis très content de te voir en vidéo parce qu'en fait, un jour, tu m'as remis un trophée à la Ligue. Une fois. Bon, c'était un petit trophée hein, pour la petite histoire. Je suis avec Arnaud, un autre Arnaud qui est dans le groupe ici. Tu nous as remis le trophée sur le podium. Et c'était parce qu'on avait fini, on était champion de France de tennis entreprise. Voilà. D'accord. Pour la petite histoire. Et donc j'avais une question te concernant. C'était comment voyais-tu l'évolution du tournoi Challenger du Pays d'Aix? Ah, mais écoutez, on a commencé à peu près au milieu de cette catégorie de Challenger. Là, aujourd'hui, on est en haut de cette catégorie avec 125 points ATP attribués aux vainqueurs. On ne peut pas aller plus haut aujourd'hui dans cette catégorie-là. Ben, on essaye du coup de trouver chaque année des petites choses, des petites nouveautés pour les joueurs, pour nos sponsors, et pour l'accueil du public. Voilà, on essaye de trouver des petites idées, d'améliorer des choses sur le site, pour l'accueil. Et voilà, donc on se creuse un petit peu la tête voilà, tous les ans, mais en tout cas, on se régale à organiser cet événement. Et bon, là, cette année, ça devait être début mai, hein, donc
on va essayer de voir si la situation sanitaire le permet. On va essayer de l'organiser début septembre. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes. Mais en tout cas, si jamais la situation sanitaire le permet, on sera présent en tout cas sur les cours d'Aix-en-Provence. Merci Arnaud. Merci. Merci Arnaud. Plaisir. Florian ? Oui, Kevin, tu peux poser ta question. Salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Salut à tous. Salut Kevin. Bonjour, France, ça fait super, super plaisir de voir un grand champion comme toi parmi nous. Donc, merci de ta présence. Donc, pour ma question. Donc, je me demandais, n'as-tu pas peur que le tennis masculin perde énormément en attractivité dans les prochaines années entre un peu les petites guéguerres incessantes entre l'ITF et l'ATP et en fait aussi après l'arrêt de carrière de Federer tout d'abord et ensuite de Nadal et Djokovic, même s'il y a encore un petit peu de temps. Ouais, c'est une vraie préoccupation ce qui se passe au niveau international. C'est vrai qu'on voit des instances, il y a beaucoup de choses qui partent un petit peu dans tous les sens. Chacun est fait un peu comme il a envie et il faudrait vraiment qu'il y ait une instance qui gère un petit peu l'ensemble de manière un petit peu plus sérieuse. Et parce que voilà, aujourd'hui, ça donne trop d'incertitudes sur l'avenir pour le tennis international. Pour l'instant, ça va, mais si on va encore dans certains excès, on peut imaginer que ça puisse exploser. Donc, il faut vraiment se méfier et ça serait bien à un moment donné qu'une instance au-dessus chapeaute un petit peu la globalité. Ça serait bien. Après, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets sur l'arrêt de Federer, Nadal, Djokovic. Comment ça va se passer après? Le tennis, ça va être triste. Alors, bon, déjà, la première chose, c'est qu'ils sont toujours là. Et on ne sait pas pour combien de temps. Alors, Federer est un peu plus âgé. Ouais. On a du mal à l'imaginer encore présent à ce niveau-là dans 4 ans, dans 5 ans. Mais il y a 5 ans, on avait du mal à l'imaginer encore aussi performant aujourd'hui. Bon, et puis Djokovic et Nadal, hein, de toute manière, ils sont peut-être là encore au plus haut niveau pour quelques années aussi. Mais bon, on va dire que voilà, demain, bien évidemment, ils ne seront plus là. Mais je ne suis pas inquiet non plus parce que je trouve que la génération qui arrive est très intéressante. Alors, pas simplement au niveau tennistique, parce que tennistiquement, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent un petit peu différemment. Je pense à Tsitsipas. Tsitsipas, il ne joue pas comme Zverev. Zverev, il ne joue pas comme Medvedev. On a les Canadiens, Chapovalov, Ojeda Aliassime aussi, qui va sans doute prochainement être dans le top 10 et y rester pendant un bon moment. Et on a beaucoup, je trouve, de variété et aussi, on a beaucoup de caractère. Je veux dire, on voit en plus, hein, il y en a même certains qui ne s'apprécient pas forcément. On voit vraiment que ce sont des joueurs qui ont de sacrés, parfois de mauvais caractères sur le terrain. Et moi, pour justement les commenter régulièrement toute l'année, ces gars-là, franchement, on ne s'ennuie pas. Alors aujourd'hui, ils ne jouent pas encore les tout premiers rôles. Alors, ils jouent les premiers rôles, mais pas les tout premiers rôles dans les fins de Grand Chelem. Et c'est là qu'on va voir aussi des choses intéressantes. C'est quand on va commencer à les voir. Et ce qu'on a envie de voir aussi, c'est de les voir battre. Alors, Tsitsipas a réussi à le faire l'année dernière contre Federer à l'Open d'Australie. On a envie de voir justement ces jeunes joueurs, qui sont très jeunes encore, les battre ces joueurs-là en grand chelem. Et c'est on a de voir les battre en grand chelem qui vont aussi avoir la légitimité justement de pouvoir être considérés comme des très grands. Et il faudrait que ça arrive. Et puis après, voilà, ils vont être amenés à jouer les uns contre les autres sur des finales de Grand Chelem. Des histoires qui vont se créer, c'est certain. Et non, je pense que ça va être passionnant. La suite va être passionnante aussi. Mais oui, bien sûr, on aura toujours, pour ceux qui ont vécu cette période depuis le début, on aura peut-être un côté nostalgique. Juste, je vais vous dire juste une petite anecdote. Alors, les plus jeunes, peut-être, ne vont pas connaître, mais moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle à peu près en 97, sur le circuit. Et puis, j'ai eu mes meilleures années, voilà, c'était 2000, 2001 notamment. Et en 2003, il y a Pete Sampras qui était considéré à l'époque, qui était le plus grand joueur de tous les temps. Il arrête sa carrière et je ne l'ai jamais joué à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est terrible. C'est terrible, j'ai vécu, j'ai été sur le circuit avec lui pendant des années et je n'ai jamais réussi à jouer. Je ne pourrais pas dire, j'ai joué contre Sampras, gagné ou perdu.
Et finalement, quelques années après, en fait, aujourd'hui, ben, il est quasiment, bon, c'était un joueur extraordinaire, il est quasiment effacé des tablettes parce que les trois joueurs qu'on vient de citer ben, l'ont battu, l'ont dépassé au niveau des grands chelems gagnés. Donc voilà, je pense qu'on aura, voilà, ça sera difficile hein, d'avoir cette rivalité et ces trois joueurs. Alors, il y a Murray à un moment donné, Wawrinka qui en a gagné un peu, mais qui ont trusté vraiment tous les plus grands titres pendant tant d'années. Mais on va avoir quand même de très belles choses, je suis persuadé, dans le futur. Super, je te remercie. C'est parfait comme réponse. Plaisir. Flo, on peut revenir sur le thème et essayer ouais. d'accélérer parce que, ça, en fait, là, c'est des questions du troisième thème. Voilà. Ouais, Arthur a une question. Arthur. Oui. Laquelle ? La deuxième. Salut Arthur. Avez-vous d'autres passions que le tennis ? Aujourd'hui, oui. J'ai ma famille, hein, bien sûr. Et puis, mais c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, j'aime faire beaucoup de choses différentes, mais ma vraie passion reste toujours le tennis. Même si j'ai arrêté ma carrière aujourd'hui, Arthur, j'adore toujours jouer. J'organise un tournoi de tennis, je commande du tennis à la télé. Enfin, tout un peu, voilà, la quasi-totalité de mes activités aujourd'hui tourne toujours autour du tennis. Donc, ma plus grande passion, c'est toujours le tennis aujourd'hui, même si j'aime faire, pratiquer d'autres sports, j'aime faire d'autres choses à côté, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, cette passion ne m'a pas quitté et je pense ne me quittera jamais. Merci. Super. Florian ? Ouais. Arthur, je rappelle qu'on était dans le parcours à haut niveau d'Arnaud, mais c'est pas grave. Yann, je crois que tu as une question. Ouais, tu as une question, Yann. Après Margot et Marie. Okay. Oui, alors bonjour Arnaud, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, c'est un très grand plaisir. Bonjour Yann. En fait, je voulais savoir un petit peu ce que tu pensais de la Next Gen et quel était ton joueur préféré dans cette nouvelle génération. Ouais, j'ai un peu répondu là, je sais pas si tu as sur la question précédente, mais j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup dans cette génération, c'est un petit peu justement cette variété et les caractères qu'ils ont, ces joueurs. J'ai pas cité non plus. Mais je pense qu'on peut l'inclure, même s'il y a quelques années de plus, il est un peu intercalé, c'est Dominic Thiem. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a encore une ou deux étapes à franchir. Ils ont encore des progrès. Ils ont tous encore des progrès à faire dans beaucoup de domaines, alors que ce sont des joueurs déjà extraordinaires, qui gagnent voilà, déjà des grands titres. Il leur manque à tous encore. Voilà, cette première, on est impatient de savoir quel est le joueur de cette génération, justement, qui va être le premier à gagner un grand chelem aussi. J'aime beaucoup peut-être mon préféré. C'est dur. Préféré, j'adore le caractère de Medvedev. Il me fait vraiment marrer. Et puis il a un jeu tellement atypique. Par contre, je vais peut-être dire Tsitsipas. Alors peut-être Tsitsipas parce qu'il est je précise peut-être un poil moins son caractère, même si c'est quelqu'un qui en a beaucoup. Mais je trouve qu'il est peut-être aujourd'hui celui qui arrive à faire le plus de choses. Voilà. Il a encore également des progrès à faire dans certains domaines, même par exemple notamment au revers coupé. C'est un coup assez étonnant, mais pour le revers coupé, c'est un coup qu'il ne maîtrise pas très bien alors qu'il a un revers à une main. Mais voilà, il est capable d'être très costaud, en coup droit, en revers. Il a progressé au service. Il est capable de venir vers l'avant, porter des choses, d'être un peu plus loin, un peu plus près de sa ligne. Et voilà, on voit que c'est un joueur aussi qui réfléchit, qui n'a absolument aucun complexe. Lui, quand il joue contre les meilleurs, hein, on rappelle, il a battu donc Federer à l'Open d'Australie. Il a battu Nadal sur terre battue aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Si tu permets, j'ai une autre question. Quand tu jouais, est-ce qu'il y avait un joueur qui était ta bête noire et quel était en fait le joueur qui te réussissait le moins ? Ben, j'aurais aimé en avoir qu'une seule de bête noire, mais j'en avais quelques-unes. J'ai jamais battu James Bate, jamais battu. Alors le pire pour moi, mais non, c'était pas forcément une bête noire, j'ai réussi à le battre une fois.
c'était Leighton Hewitt. Alors, Leighton Hewitt, c'était absolument terrible parce qu'en fait, Leighton Hewitt, il joue comme moi, même jeu, mais il fait tout mieux. C'est-à-dire, il sert un petit peu mieux, son coup droit est un petit peu meilleur, il volaille un petit peu mieux, son revers, son retour, tout est un tout petit peu mieux que moi. C'est-à-dire que voilà, j'étais complètement impuissant à trouver des solutions quand je jouais contre lui. Donc finalement, une fois, il était un petit peu moins bien ce jour-là. Moi, j'avais fait un très bon match, j'avais réussi à le battre. Et donc c'est toujours une grande satisfaction, mais je l'avais battu, je crois, les sept premières fois que je l'avais rencontré. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Yann. Alors là, il y a une question, excuse-moi, une question de M. Suchot. Est-ce qu'on peut prendre M. Suchot, s'il vous plaît? Il est où, M. Suchot? M. Suchot, on vous écoute? Allô? Oui. Ah, la souche. Comment ça va? Mais c'est pas une tenue, ça, même chez soi. Bah, je faisais mon jardin, écoute, et d'un coup, je me suis dit, tiens. Alors, on peut dire un petit mot pour les adhérents de l'AUC, là, pour qu'ils comprennent. Alors, monsieur Suchot, en fait, c'est monsieur Stéphane. Bah, écoutez, je vais vous le présenter, moi. Voilà. Stéphane Vivier, c'est un ami à moi. Il est. On s'est connu il y a très longtemps, on a le même âge. C'est un des tout meilleurs, en tout cas, dans le tennis. Ostéopathe, kiné, il a été pendant des années justement aux côtés de Roger Federer sur le circuit. Et ben voilà, nous on se connaît depuis beaucoup de temps et c'est un ami et puis c'est un très grand dans son domaine et il est aujourd'hui dans le staff de l'équipe de France. Ouais, du coup ouais. Les questions c'était sur plus pour les jeunes qui regardent un petit peu. Toi, tu as commencé un peu tard ta carrière, un peu tard par rapport aux autres. Mais comment tu compares les garçons et les filles, par exemple? Pourquoi les filles à 14 ans, elles commencent à gagner des gros tournois? Pourquoi les garçons, ils galèrent pendant des années pour arriver dans les 100 ou dans les 50, où là, les next-gen, ils mettent un peu plus de temps à percer, parce qu'un Rafa qui gagne des Roland tout jeune, alors que les autres, ils n'ont encore rien gagné, quoi. Ouais, bah après ils ont quelques gars qui leur bloquent la route depuis longtemps, mais c'est vrai que déjà les filles sont un petit peu plus précoces que les garçons. Depuis ça a toujours été le cas, hein. On avait une Capriati qui avait été en demi-finale, je crois que c'était à l'US Open, elle avait 14 ans. On a toujours eu des filles des numéro 1 qui chez les filles, Monica Seles, Chris Evert qui étaient toutes jeunes, hein, quand elles étaient numéro 1. Toujours, voilà, il y a déjà une précocité supérieure chez les filles. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mouvements. Là, on en a une d'ailleurs qui est extraordinaire, l'américaine Coco Gauff, qui a 15 ans à peine et qui est phénoménale. Hein. Mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup plus de. Ça tourne beaucoup plus chez les filles. Les filles restent, depuis Serena Williams, peu de temps à la première place, quand elle l'atteigne, et du coup, bah, ça laisse un peu plus de place à tout le monde. Et c'est vrai que bah, c'est ça qui est aussi extraordinaire. Hein. On ne le dira jamais assez sur cette domination de Federer, Nadal et Djokovic. C'est à quel point, vraiment, il laisse personne, justement, quasiment personne, accéder justement à ces dernières places en Grand Chelem. Et avec autant de régularité, année après année, c'est une performance n'arrivera peut-être plus jamais, quoi. On aura des beaux vainqueurs de Grand Chelem dans le futur. J'ai évoqué la Next Gen que je trouve très intéressante, mais peut-être ça sera peut-être pas trois joueurs, ça sera peut-être 5, 6, 7, et puis on aura plus régulièrement des surprises, même si on en a eu quelques-unes, hein, de temps en temps quand même, c'est pas énorme, hein, une fois Cilic, une fois Del Potro, trois fois Murray et trois fois Wawrinka. Et Wawrinka et Murray, c'est pas des surprises, hein, mais ouais, je sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est vrai que les filles sont plus précoces le circuit féminin, j'ai pas d'explication de pourquoi à un moment donné il y a des différences de niveau et que les filles n'arrivent pas à rester à leur top comme les garçons arrivent à le faire pendant une longue période. Ouais.
Non, c'était plus pour les jeunes qui écoutent aussi, pour voir un peu si le gamin se bat par sa sœur, il veut comprendre pourquoi. Ouais, merci. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt sur le tour, j'espère. Mais bon, on n'est pas parti pour repartir. Donc, Flo, on prend Margot, Marie et Sabri. Une question du staff aussi après. Ouais, pas de problème. Ok. Vas-y. Ok. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à l'ambiance d'un match. Quand tu dois jouer devant beaucoup de gens, est-ce que c'est plus un stress ou est-ce que c'est plus tu le ressens comme un encouragement? Et comment tu arrives à gérer ça pendant un match? Voilà. Bonjour Margot, salut. Et ouais, alors c'est. En fait, c'est les deux. C'est un stress qui est hyper, hyper, hyper stimulant. Et alors, on ne se retrouve pas non plus du jour au lendemain sur le central d'un grand chelem devant 15 000 personnes. Il y a des étapes avant. Hein. Au début, il y a trois personnes, il y a juste nos parents. Et puis après, il y a une quinzaine. Et puis après, voilà, quand on devient professionnel, on passe par différentes étapes dans les tournois. Et puis, les gens qui sont autour du cours, ça grossit progressivement. Après, il y a des événements, des moments où qu'on a du mal à appréhender parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je me rappelle notamment la première fois que j'ai été programmé sur le central de Roland-Garros. J'étais tout jeune encore. C'était en 99, deuxième tour de Roland-Garros. André Agassi, voilà. Philippe Châtrier, je ne sais plus si c'était deuxième ou troisième partie de la journée. Alors là, c'est quelque chose. Là, j'avais pas dormi de la nuit. Voilà, j'avais pas dormi de la nuit parce qu'en fait, ce qui était difficile, c'est que je savais pas à quoi m'attendre. C'était un moment où je savais pas. Et ça n'a pas été facile. Après, sur le terrain, il y a toujours un petit côté stress. Pour moi, il y a toujours ce côté stress, mais j'ai toujours réussi en me libérant un petit peu physiquement, justement, à évacuer cette tension qui était due, justement, à cet environnement. Mais après, je dirais pas qu'on s'habitue, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, et quand il n'y a plus cet inconnu, en fait, on sait ce qui va se passer un peu plus. On a beaucoup plus de facilité à se projeter. Après, quand on a un peu plus de mal, il faut essayer de visualiser les choses. C'est toujours intéressant. Par exemple, tu sais que pour la première fois, demain, tu vas jouer devant une foule beaucoup plus importante. Imagine un petit peu dans ta tête, tu vois le cours, tu es sur le cours et tu imagines tous ces gens autour, tu vois, et ça va t'aider justement parce que quand tu vas rentrer sur le cours, tu vas pas être surprise, tu l'as un petit peu vu déjà, tu l'as un petit peu imaginé. Et après, il faut pas avoir peur aussi quand on rentre sur le cours de bien regarder son environnement, bien regarder autour de toi. Ok, voilà, je l'ai vu, je l'intègre et maintenant je vais me concentrer sur mon match qui va commencer. Ok, merci beaucoup. Merci. Marie. Bonjour Arnaud. Alors moi j'avais une question qui était plutôt quand vous rentrez sur le cours, avant de rentrer sur le cours, quelle était votre routine physique et mentale en fait? Ouais, alors, la routine, elle pouvait changer un petit peu en fonction des moments. Alors, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont toujours exactement les mêmes routines. Alors, moi, j'en avais une quand même. Moi, il fallait que mon sac soit très bien ordonné. Voilà. Moi, il fallait que j'ai mes polos de côté de couleur. Ils étaient organisés. J'avais mes bandanas qui étaient juste à côté, qui étaient bien organisés aussi. Il fallait que tout soit très facilement accessible et bien rangé dans mon sac. C'était même la limite de la maniaquerie. Après, j'avais des routines d'échauffement. Il fallait que je réussisse aussi à bien me mettre bien en jambes, bien transpirer avant. J'aimais bien ça. Mais après, ça pouvait varier un petit peu en fonction des moments, des périodes, de la surface sur laquelle je jouais, sur les conditions de jeu. Je prends un exemple, quand on est dans certains pays, étant venu aux États-Unis, on est à la climatisation dans toutes les parties, dans les vestiaires, au restaurant, il fait 18-19 degrés, on doit mettre un t-shirt, un sweatshirt, par exemple, toujours parce qu'on a froid, alors qu'à l'extérieur, il fait 35 degrés. Pas rester justement dans cet environnement-là en permanence et aller un petit peu dehors, pareil,
comme je viens d'évoquer un petit peu sur la question précédente, voilà, voir un petit peu comment ça se passe à l'extérieur. J'aimais bien, j'étais un petit coup d'œil au cours quand j'allais jouer sur un grand cours, un petit coup d'œil au cours, de voir combien il y avait de personnes dans les tribunes, un petit peu l'ambiance qui était en place avant d'arriver. J'aimais bien, voilà, pas être pris justement sur quelque chose que j'avais pas anticipé. Voilà, de la même manière, par rapport aux joueurs que j'étais amené à affronter, je voulais savoir à quoi, voilà, qu'est-ce qui allait se passer en face. Et quand j'ai un joueur que je connaissais pas, notamment, j'essayais de me renseigner un petit peu pour savoir comment il jouait et avoir quelques infos. Merci. J'avais une deuxième question, c'était quel était votre plus beau souvenir de compétition? Mon plus beau souvenir, ah ouais, c'est toujours difficile, mais bon, la finale de l'Open d'Australie, c'est sans doute le plus grand moment de ma carrière. Et puis, j'ai gagné que, c'est bien, j'en suis fier, quatre tournois dans ma carrière. Il y en a un où je suis particulièrement fier, c'était l'Open 13. C'est toujours été un but vraiment dans ma carrière en 2006. Et j'étais aux côtés de mon frère qui m'entraînait à cette période. Et mon frère est marseillais en plus, donc ça représentait vraiment quelque chose. Et, pour nous deux. Et ouais, c'était un grand moment aussi, une grande semaine. Très bien. Il y avait le Flo du staff, qui c'est? Ouais, quelqu'un voudrait poser une question? Lucas, David? Allez, moi, je me lance un peu. Allez, Lucas. Alors, moi, j'ai une question. On ne t'entend pas, hein, Lucas. Ouais, j'entends pas. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ah, pardon. Alors, moi, ça serait pour savoir si le fait d'adapter son jeu, de savoir innover, par exemple, même de changer certaines choses techniquement ou dans ton jeu, c'était une clé en termes de haut niveau de savoir adapter son jeu. Ouais, alors, techniquement, au bout d'un moment, tu essayes de plus trop bouger, mais même si tu peux faire des petites évolutions par moment, si c'est nécessaire, mais parfaitement maîtrisé déjà. Déjà, ce que tous les coups, c'est déjà quelque chose. Et puis après, de toute manière, il y a toujours des choses qui bougent un petit peu. Donc, mais oui, pour moi, c'était important. Et il fallait. Moi, j'étais un peu excessif, hein, justement, très excessif à l'entraînement. Il fallait que tout soit parfaitement réglé avant une compétition importante, quoi. Il ne fallait pas qu'il y ait un coup que je sente un petit peu moins bien que les autres parce que ça me rendait un petit peu nerveux. Donc oui, c'est important d'essayer, en tout cas, de maîtriser au maximum un maximum de choses. Et il faut être faut être perfectionniste. Il faut être perfectionniste. Il faut aussi, en fait, perfectionniste dans l'idée d'essayer de faire du mieux possible. Après, tout ne sera jamais parfait. Dans une carrière, je sais pas, il y a peut-être une dizaine de matchs où on se dit, en 15 ans, on se dit, bah, j'ai réalisé le match quasiment parfait aujourd'hui ou parfait. Mais sinon, c'est jamais parfait. Il y a toujours un coup qui fonctionne un petit peu, peut-être un petit peu moins bien. Donc, on est en permanence en train de toute manière de s'adapter. Le tennis, de toute manière, est, je trouve, un sport, le sport par excellence, peut-être d'adaptation. Il faut savoir justement être prêt à beaucoup d'éventualités, à des conditions météo changeantes, une tactique changeante en face, une surface capricieuse. Voilà, toujours, il peut y avoir des choses un petit peu inattendues. Donc, essayer de maîtriser au maximum les choses qu'on peut maîtriser par soi-même et puis après s'adapter en fonction de ce qui se passe. Je pense que j'ai complètement allé. Dans tous les sens, non, par rapport à la question que tu m'as posée, mais j'espère que j'ai répondu un petit peu. C'est intéressant. Merci. Le tennis, c'est un sport d'adaptation par définition et on a réussi, nous, à s'adapter au confinement. Donc, c'est très bien. Et on va faire une transition à partir. On est un petit peu lent là, mais on va passer sur la transition avec ta carrière professionnelle. Et je vais demander à Sabri d'intervenir. Sabri. Il est là. On m'entend ? Ouais. Oui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bah bonjour. Eh ben, il y a des guest stars. Attends, Non. La guest star, c'est toi. Je voulais te remercier parce que je trouve que c'est super sympa de donner de ton temps. Mais je voulais surtout remercier les gens du club et Olivier pour son investissement qui est vraiment exceptionnel. Et le fait de réunir tout le monde. Alors, moi, je ne suis pas du monde du tennis, mais j'adore le sport en général et le tennis. On m'a vu jouer quelques fois
un petit peu ici dans la région, puisque j'habite la région depuis 15 ans. Et je suis content de te voir, Arnaud. Tu as fait une carrière brillantissime. Et la question que j'avais envie de te poser, parce qu'on se pose souvent la question, c'est pas si facile que ça de faire une carrière professionnelle et de faire en sorte qu'elle soit longue et qu'elle dure. Mais est-ce que toi, tu as eu l'angoisse de la fin et est-ce que tu as préparé ta reconversion? Parce qu'un sportif, il est, on va dire, il y a une première vie qui est sa vie professionnelle et puis après, il y en a une autre. La vie continue. Et toi, tu as quand même bien rebondi relativement rapidement et je voulais savoir si tu t'étais préparé et si tu l'avais plus ou moins planifié. Parce que terminer une carrière comme la tienne et puis enchaîner en tant que capitaine de l'équipe de France, c'est plutôt extraordinaire. Et puis pour terminer, c'était de savoir si dans un an, dans cinq ans, tu te voyais toujours dans le tennis, dans ce sport, et si oui, toujours consultant ou peut-être autre chose. Bon, en tout cas, déjà ravi de vraiment te rencontrer. Même si, maintenant, c'est comme ça qu'on rencontre pendant le confinement, c'est comme ça qu'on rencontre les gens. Mais je ne savais pas que tu étais passionné de tennis également. Et, écoute, ouais, j'ai eu une chance incroyable. J'ai choisi le moment où j'allais arrêter ma carrière. C'est vrai que dans le sport en général, parfois, quand on prend un petit peu des années, on est un petit peu plus régulièrement blessé. Et de temps en temps, c'est une blessure en fait, qui fait que la carrière s'arrête. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais parce que j'avais aussi ce… Alors moi, je suis un petit peu… Donc, j'ai arrêté à 35 ans. Et entre 33 ans et 35 ans, j'étais au-delà de la 100e place mondiale. Ce n'était pas les années les plus… extraordinaire de ma carrière, mais en tout cas ce sont des années vraiment où je me suis quand même régalé, j'ai pris du plaisir jusqu'au bout et je savais de toute manière voilà que ça allait s'arrêter et puis j'ai choisi mon moment. Alors peut-être que j'ai un petit avantage parce que je savais que derrière aussi j'avais l'opportunité justement de prendre le capitanat de l'équipe de France et que j'avais un challenge qui était extrêmement excitant tout de suite, justement, dès ma carrière terminée. Donc, moi, ça s'est… Voilà, j'ai eu cette chance. Ça s'est extrêmement bien passé. Je sais que d'autres personnes, d'autres sportifs l'ont un peu moins bien vécu. Certains appellent ça, juste à la fin de carrière, un petit peu la petite mort. Alors, c'est un peu violent hein, de dire ça. Il y a des enfants, c'est absolument pas la mort. Hein. Mais voilà, parce que c'est… une étape dans notre vie qui se termine et c'est une page à tourner. Moi, je savais où je voulais aller et c'est vrai que peut-être qu'il faut anticiper un petit peu les choses et parfois quand on est sportif professionnel, on a du mal à se projeter justement dans le futur, dans l'avenir, à qu'est-ce qu'on veut faire après, tellement qu'on est dans le moment, dans le quotidien, dans sa carrière qui est extrêmement prenante et c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, ça s'est passé de manière vraiment quasiment idéale. Et après, oui, moi, je me vois dans le tennis toute ma vie. Hein. Je suis tellement passionné que j'ai du mal à imaginer que ça ne me passionne plus à un moment donné. Et aujourd'hui aussi, je suis engagé de manière bénévole dans le tennis et j'espère avoir un rôle encore plus important dans le futur. Donc ouais, je suis engagé sur plein de plans différents dans le tennis et ça va continuer. Et est-ce que le fait, parce qu'on voit souvent des anciens sportifs tels que Becker ou autres devenir coach d'un joueur sur le circuit quoi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te satisfaire? Parce que c'est quand même pas facile. On n'a pas idée, mais un joueur de tennis se retrouve souvent seul sur les différents continents, plus ou moins bien. Donc, c'est pas toujours très joyeux. Mais quelque part, le fait de constituer un staff autour de lui, des gens évidemment compétents, mais des valeurs qui peuvent ressembler aux sportifs, c'est quand même très important parce que tu te retrouves probablement et souvent dans des galères. Je veux dire, quand t'es, que ce soit en Australie, en Asie, aux États-Unis ou en Europe, les contextes, les terrains, c'est relativement différent.
et c'est pas facile à gérer quand tu te retrouves parfois seul le soir en train dans ta chambre d'hôtel. Oui, c'est vrai qu'on est, on est souvent seul. Alors, des caractères qui et qui ça marche un petit peu plus que d'autres. Moi, ça m'a allé, mais en fait, c'est quelque chose. J'ai dû vraiment m'y habituer. C'est un rythme que j'ai dû prendre. Les premières années, pour être tout à fait honnête, c'est une chose qui m'a un petit peu perturbé, vraiment, parce que moi, j'étais chez moi, j'étais avec, j'allais à l'école, j'avais mes copains, j'avais mon rythme, j'avais ma famille qui était tout le temps là, et puis d'un coup, hop, on est amené à voyager un petit peu partout. Donc, j'ai vraiment eu un moment d'adaptation. Après, ça s'est très bien passé, parce que voilà, j'avais pris le rythme et je m'éclatais tellement dans ce que je faisais que oui, alors j'avais des manques à côté, hein, justement, moi, mes manques ont toujours été revenir régulièrement voir mes proches, voir ma famille, et c'est quelque chose qui me manquait, mais j'avais tellement de compensations que voilà, je le vivais globalement très bien. Après, c'est ce qui m'a aussi incité à prendre ma retraite, c'est-à-dire que c'est vrai que ça m'a pesé vraiment aussi un petit peu plus sur la fin. Donc sur la fin, quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais aussi content parce que je me dis voilà, mais je vais être un peu moins dans les valises, un petit peu moins dans les avions. Je fais ça depuis 15 ans, j'en ai tellement profité que maintenant je suis content aussi de me poser un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est une vie qui est très particulière. On n'imagine pas tout. En fait, on voit beaucoup le côté doré, le côté parfois le côté financier qui est intéressant pour un certain niveau, mais c'est vrai, il y a ce côté, c'est complètement vrai, ce côté solitude du joueur, même s'il est entouré d'un staff, même s'il a des gens autour de lui. On voit d'ailleurs aujourd'hui des staffs qui sont de plus en plus étoffés. Il y a un vrai côté solitude par moment, et il faut aussi apprendre à s'en servir de ces moments-là pour bien réfléchir, pour se reposer, pour souffler. Et c'est aussi de tout prendre de manière justement positive et pas avoir trop de côté pesant. Moi, voilà, j'ai eu la chance de réussir en tout cas à m'adapter assez bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient extrêmement talentueux notamment et très forts, qui ont eu beaucoup de mal et qui n'ont pas fait qui ont fait des carrières très honorables, mais pas des très grandes carrières, parce qu'ils avaient beaucoup plus de mal justement à appréhender cette partie, en tout cas du métier. J'ai du mal à dire métier parce que moi c'était plus une passion qu'un métier, mais qui ont eu plus de mal pour ces raisons-là. Merci beaucoup Sabri, merci beaucoup. Merci Sabri, c'est bon. Sympa. En deux mots, Sabri, il a sa fille au club depuis plusieurs années. Il était au Toulonnais avec moi aussi, avec sa fille et son fils. Et ensuite, il est venu à l'AUC. Et Sabri, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été champion d'Europe avec Zidane, l'équipe de France en 2000. Il a fait une Coupe du Monde, pas la bonne, mais il l'a faite. Je sais, ça ne te plaît pas. Pas la bonne. Et voilà, il est entraîneur à l'heure actuelle de Nottingham Forest en foot. Et c'était une bonne opportunité de l'avoir et de partager aussi un petit peu de son expérience. Alors, il est tard. On va essayer de faire venir un certain petit Bruno. Petit et grand, et après, après Arnaud, il va essayer peut-être de répondre à quelques questions encore. Je serais désolé pour ceux qui n'ont pas eu la parole, mais Arnaud, il est super sympa en tout cas. Voilà, allez, vas-y Bruno. M'entendez? Oui, un petit air de ressemblance, non? Je connais cette voix. Vous voyez ou pas? Ça marche? Je ne sais pas si ça marche. Oui, on vous voit. Ouais. Ouais. On te voit. Salut Arnaud, comment ça va? Ça va, hein, donc. ça écoute, va bien, moi, vous voyez, en fait, on se ressemble beaucoup. Hein, donc, vous pouvez deviner qu'on est, on a un lien familial. ouais, sauf que moi, je me coupe les cheveux et pas toi. C'est pas la même coupe de cheveux. Hein. ouais, moi, j'ai une tondeuse à la maison, lui, il n'y en a pas. Donc, moi, je peux me couper les cheveux et lui, il ne peut pas. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Bruno, c'est le frère d'Arnaud. Voilà. Dis-moi Arnaud, moi j'avais une question. Bon, je crois connaître un petit peu la réponse, mais je pense que c'est sympa. Est-ce que tu penses que ton métier de joueur de tennis
de joueur de tennis professionnel a été un frein, un vrai frein à ta pratique sportive en général? Ça dépend comment on le prend. Je pense que le tennis a vraiment... Alors, j'ai toujours eu le goût de l'effort, mais je pense que le tennis l'a encore plus développé. C'est vrai que j'ai besoin, moi, de bouger. J'ai besoin de faire du sport de manière très régulière. Et même si j'en fais un petit peu moins aujourd'hui, forcément, hein, j'en fais quand même pas mal. Hein. Moi, j'ai besoin de faire je profite de mon heure, hein, tous les jours, je fais mon heure de sport, pas tout le temps en sortant de chez moi, mais ça peut être chez moi, mais je fais tout le temps au moins une heure de sport en ce moment. Un frein, non, mais en fait, j'aime faire du sport pour la sensation que ça me procure pendant, et j'aime aussi la sensation que ça me procure après. Voilà, moi je sais, alors on sait qu'on libère certaines hormones et de bien-être, et on est un petit peu drogué à ça peut-être, mais c'est vrai que j'adore ça, je me sentir bien dans mon corps aussi, et voilà, je trouve que développer faire du sport, développer ses qualités voilà, intellectuel, faire plein de choses, quand on a la chance, voilà, d'avoir un petit peu de temps comme moi aujourd'hui, ben je pense que c'est un luxe fantastique, et j'en profite bien. D'ailleurs, c'est une drogue pour toi, le sport. Tu as la même drogue que Vicente Lizarazu, je crois. Je crois qu'il a un cran au-dessus de moi, Lucas. Non, je crois qu'il est bien un cran au-dessus de moi. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez que je fais des choses que moi, je ne sais pas faire. Non. Alors, il y a Mathias, qui est le co-directeur sportif de la structure avec moi, qui voudrait parler. Donc, je vais lui donner la parole. Mathias. À toi, Mathias. Oui, bonjour Arnaud. Donc, c'est pas vraiment une question que je vais te poser, c'est plutôt est-ce que tu peux donner un conseil à tous nos jeunes joueurs et les moins jeunes du coup concernant la défaite en match, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à gérer ça, et alors quel conseil tu peux leur donner? Merci. Ouais, c'est assez vaste, hein, comme question, c'est pas simple, hein, mais du mal à gérer la défaite. En fait, moi, je vais vous parler de mon cas personnel et de la manière dont je gérais certaines défaites. En fait, je trouve que la défaite est dure à gérer quand on a le sentiment, à un moment donné, qu'on n'a pas tout donné, qu'on pouvait faire des choses mieux, qu'on a des raisons peut-être de s'en vouloir sur quelque chose. Après, on est dans un sport, le tennis, où on gagne, on perd en permanence. Vous savez, vous êtes peut-être certains à penser que ma carrière, que j'ai fait une belle carrière, une super carrière peut-être. Mais en fait, si on prend mon bilan victoire-défaite dans ma carrière professionnelle, ben, j'ai gagné, c'est très équilibré, j'ai gagné autant de matchs que j'en ai perdu, je crois, à peu près, à quelques matchs près. Donc, la défaite fait partie vraiment du sport. La défaite, il faut s'en servir. La défaite, il faut s'en servir. Il faut qu'elle soit constructive. Mais la défaite, elle est… Alors, ça, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est vrai. Il faut s'en servir justement pour progresser. Savoir, à un moment donné, bien analyser. Ce n'est pas quelque chose forcément de facile, parce qu'il y a des émotions, il y a de la frustration. Parfois, il y a de l'incompréhension. Et on met du temps à ça. On met justement à comprendre certaines choses, mais il faut vraiment s'en servir. Plus on aura de lucidité à un moment donné sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, à un tel moment du match, contre un tel adversaire, ben plus on sera en capacité d'être meilleur, justement, le match d'après. La défaite, c'est la victoire. La défaite, c'est le tennis. Il faut savoir rebondir en permanence. Et on a de la chance, justement, de pouvoir avoir un rythme justement où il y a des tournois qui peuvent s'enchaîner de manière régulière, et il y a toujours de toute manière une remise en question. On essaie toujours d'être un petit peu meilleur le coup d'après, et parfois on se voile un petit peu la face même, et on oublie certaines choses, on analyse moins bien quand il y a une victoire, parce qu'on s'arrête au fait c'est bon, j'ai gagné le match,
Et alors que parfois aussi, dans la victoire, il y a des choses à un moment donné qui pourraient être analysées de manière un peu plus constructive pour être encore meilleure. Mais souvent, on se sert plus de la défaite. Il faut se servir vraiment de chaque match, savoir analyser un petit peu les choses, savoir ce qu'on a fait, garder toujours cette lucidité pour essayer d'être un petit peu meilleur le lendemain. C'est ça qui est excitant aussi, un petit peu dans tout ce qu'on fait, pas simplement dans le sport. C'est essayer d'être un petit peu meilleur le lendemain. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Putain, j'ai un joueur que j'arrive pas à battre. Qu'est-ce que je pourrais essayer la fois d'après, justement, pour essayer de le déstabiliser? Ah, cette finale-là, cette demi-finale, je l'ai perdue. Hop, je vais me retrouver dans la même situation une semaine après, deux semaines après. Hop, essayer de pas refaire la même erreur. C'est ça qui est, je trouve, qu'il faut pas faire surtout. C'est de ne pas apprendre et de se dire que plusieurs fois, à un moment donné, on va commettre un petit peu la même erreur. Parce que les erreurs, on en commet tout le temps et en permanence. Et Federer, il en commet, Djokovic, Nadal, comme tout le monde commet des erreurs sur des points, sur des moments de match, sur des tactiques. Par contre, eux, ils ont cette capacité extraordinaire d'analyser les choses de manière très claire et après, justement, de trouver la solution pour la fois d'après. En résumé, on ne perd jamais, on apprend. Merci beaucoup. Merci Mathias. Je voulais donner la parole à une personne qui s'appelle Anthony et qui s'occupe d'une page sur Facebook qui est Mon Espace Enseignant de Tennis. Et voilà. Et je voulais que tu nous parles un peu de ce que tu fais, Arnaud. Et c'est intéressant pour les gens du club, pour les enseignants et pour tout le monde. Une page très intéressante. Donc, d'abord, bonjour à tous. Bonjour, Arnaud. Bonjour, Anthony. Merci beaucoup, Olivier, de l'invitation. Et je suis ravi de voir que tu m'invites dans tes lives après que je t'ai invité dans mes lives. Mais du coup, ouais, je me présente rapidement. Je m'appelle Anthony Lassab, je suis enseignant de tennis, joueur et formateur sur la Ligue Occitanie de tennis, sur les enseignants de tennis. Et je tiens une plateforme en ligne qui s'appelle Mon Espace Ancien Tennis, qui regroupe des interviews, des documents et une sorte de base de données pour tous les enseignants en France, pour qu'on puisse tous continuer à se former depuis la maison. Et là, ça tombe bien, en plein confinement, on est restreint et on peut continuer à se former comme ça. Et j'ai eu la chance le week-end dernier de faire un super live avec quelqu'un que tu connais bien, Arnaud, c'est Gilles Moreton. Et on a discuté de la situation un peu coronavirus qui était compliquée. Et ça a été un moment d'échange avec des enseignants, des dirigeants et des personnes, des membres, des adhérents de club qui étaient super intéressants. Donc, est-ce que tout le monde marche là, je vois? Ça marche, oui, ça marche, hein, ton micro marche. Oui, on t'entend. Hein. Je vois l'image de Arnaud qui est figée. Ah, Arnaud ? S'il ne m'entend pas, c'est dommage. Arnaud ? Ah, je crois que tu as raison. J'ai fait fuir Arnaud. Ah. Il va essayer de se reconnecter, je pense. Ouais. Tu peux nous parler de ton site et que c'est intéressant pour tout le monde hein, de voir. Après, voilà, c'est vraiment un bus, c'est vraiment pour tout le monde. Hein, c'est vraiment pour les enseignants, mais tout le monde peut y trouver des données importantes parce que c'est des échanges qu'on a entre enseignants et qui peut apporter à tout le monde. Voilà, comme je vous dis, il y a des adhérents de club qui sont là, des parents, des enfants. Le retour, Arnaud. Ben, désolé, j'étais complètement déconnecté là. Je suis désolé. T'as entendu jusqu'à quoi? Ah ben, rien. T'as rien entendu? Non. Ok. Donc, je recommence. Désolé. Je recommence pour tout le monde. Mais donc du coup, je m'appelle Anthony. Anthony Lassab, j'étais enseignant et maintenant je suis formateur sur la Ligue Occitanie sur la formation des DE. Et comme je disais, j'ai créé une plateforme en ligne qui s'appelle Mon Espace Ancien Tennis qui aide les enseignants justement à continuer à se former. Et je fais ça à travers des interviews que je réalise depuis chez moi, du coup, maintenant. Et j'ai eu la chance le week-end dernier de faire un super live autour du coronavirus. Et on a eu la présence de Gilles Moreton, que tu connais bien. Mm-hmm. Et, j'aurais été ravi de t'avoir à ses côtés. Et en tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir la chance de pouvoir discuter avec toi et de pouvoir partager tout ça ensemble aujourd'hui. Je te remercie pour l'acte que tu fais, en tout cas. Okay. Du coup, pour tous les enseignants qui vont m'écouter sur le site, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, au travers de tes expériences, à tous les jeunes enseignants qui ont pour ambition, tu vois, d'amener des joueurs à haut niveau? Ouais, c'est d'être beaucoup
beaucoup échangé justement avec ceux qui ont l'expérience. Et en fait, on apprend beaucoup d'échanges et de justement de ceux qui sont un peu plus expérimentés, ceux qui sont un petit peu justement même au même stade que nous, qui nous amènent à réfléchir sur d'autres problématiques. Et je trouve qu'on apprend énormément. On a un milieu extrêmement, extrêmement riche avec des gens qui viennent un peu partout, qui ont des parcours différents, que ce soit dans, dans la compétition, dans l'enseignement. On peut avoir plein de points de vue différents. Il y a beaucoup de manières d'aborder certaines choses. Il n'y en a pas qu'une. Donc, je trouve que c'est très enrichissant tous les échanges qu'on peut avoir avec les passionnés, ceux qui connaissent dans certains domaines, s'intéresser dans des domaines qui sont autres aussi que la technique ou le cours de tennis, mais dans des domaines comme la préparation mentale, la préparation physique. Je trouve qu'un entraîneur de tennis, même si ce n'est pas un entraîneur physique, même si ce n'est pas un préparateur mental, qu'il puisse avoir quelques notions dans beaucoup de domaines, c'est extrêmement riche. Et à un certain moment, il pourra justement, il aura certaines clés peut-être pour pouvoir s'en servir. Et donc, ouais, il faut s'intéresser à plein de choses. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre sport. C'est que ça peut être très fort physiquement, ça ne suffit pas. On peut être très fort dans sa tête, même s'il y a beaucoup de choses qui sont liées et connectées, ça ne suffira pas. Il faut un ensemble de choses. Il faut que les choses soient briquées bien les unes dans les autres. Et ce n'est pas évident d'amener justement quand on veut être entraîneur et qu'on ambitionne même d'être un entraîneur qui évolue avec des joueurs de haut niveau. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais qui est passionnant. Donc, il faut vraiment avoir un esprit extrêmement ouvert dans plein de domaines. Et plus toutes ces compétences, à un moment donné, parfois, qui nous paraissent un petit peu loin du cours, eh bien, on va trouver un lien et des connexions et des choses qui vont pouvoir nous aider dans la communication, dans le coaching, dans la technique. Et donc, c'est aussi un métier, justement, d'être joueur, c'est passionnant, mais d'être entraîneur, je trouve ça aussi passionnant. C'est aussi le côté, on parlait de l'adaptation tout à l'heure d'un joueur de tennis, mais c'est aussi le côté adaptation d'un coach avec un joueur, avec un discours qui ne va pas être forcément le même avec un tel ou un tel, et des mots qui n'auront pas la même signification pour certaines personnes, hein, le même sens, le même impact. Donc, c'est y a un vrai côté aussi connaissance de la personne qui aide justement à le coacher. D'accord. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu. Merci beaucoup. J'espère qu'on se croisera sur l'Ironman de Aix, du coup. Je ne sais pas quand c'est ce qu'il aura lieu, mais. Bon, merci en tout cas, Olivier. Merci. Salut. Et j'écoute avec attention. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci, Anthony. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, on va essayer de prendre trois questions sur ce qu'aime Arnaud comme sport en dehors du tennis. Et après, on va le libérer parce que le pauvre, il est très gentil. Ça fait plus d'une heure et demie qu'il est là et il doit être un petit peu fatigué. Et voilà. Florian, je te laisse reprendre la main. M4, du coup. Allez. Salut, tu vois avec Arnaud. Alors, Franck a une question. Franck Véronico. Oui, vous m'entendez? Ouais, allô, vous m'entendez? Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais. Bonjour Arnaud, bravo pour ta carrière. Merci. Et donc j'ai cru comprendre que tu jouais au paddle, donc c'est assez bien. J'ai pas eu l'occasion de te voir jouer au paddle, et j'aurais aimé savoir en fait si le tennis et le paddle étaient compatibles pour toi. Oui, il n'y a pas d'incompatibilité, mais après, c'est vrai qu'on est toujours en train de comparer le tennis et le paddle, de dire que le paddle, c'est un sous-tennis, que c'est un mélange entre plusieurs sports. Non, je pense qu'il faut le prendre comme un sport à part entière, le paddle. Moi, j'adore, je trouve ça extrêmement ludique, mais aussi extrêmement, extrêmement athlétique comme un sport. Alors, c'est vrai que quand on a joué au tennis, ben, on va avoir certaines aptitudes, mais ça ne va pas suffire parce qu'on voit qu'il y a une manière de se dépenser aussi qui est un petit peu différente. L'effort est différent. Techniquement, il y a des coups qui sont différents. Je trouve que voilà, c'est très sympa à pratiquer. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Et voilà, je joue de temps en temps quand j'ai l'occasion. Et puis, il y a le côté convivial de jouer aussi en double. Mais voilà, moi, je ne fais pas de comparaison. Je ne mets pas les deux sports
en opposition. Je trouve ça assez complémentaire, en plus dans un club de tennis, d'avoir voilà, des pratiquants des deux sports. Il peut y avoir des ponts en fait, dans un sens et dans l'autre. Merci. Merci Flo pour ta question. Dans le thème 4, j'ai plus de questions. David n'est plus là. David, Bastien, est-ce que vous voulez parler? Bastien, ce serait bien. Ouais. Vous m'entendez? David est là, ouais. Allez, David. Bonjour tout le monde. Bonjour Arnaud. Alors, j'ai cru comprendre David. Que tu avais besoin de te dépenser beaucoup et que tu pratiquais le triathlon. Alors, j'aimerais savoir si à l'avenir, tu envisages de pratiquer des disciplines comme l'ultra trail, des disciplines assez longues, des sports d'endurance en fait. Ouais, ultra trail, non, parce que c'est, je pense que mon corps serait pas content du tout, mais à un moment donné, ouais, j'aurais bien aimé pouvoir avoir les capacités de le faire, mais ça demande énormément de temps d'entraînement. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, aller d'une discipline à l'autre, et voilà, j'aime bien aller faire un tennis, aller faire un paddle, et puis aller faire un tour de vélo aussi. Donc ouais, trail, il faut vraiment pour faire ce type d'ultra trail, enfin, pour faire ce type de participer, en tout cas. À ce type d'effort, il faut vraiment s'y consacrer exclusivement. Donc, ça, je ne suis pas prêt à faire ça. Mais en tout cas, ça m'a fait bizarre hein, au début quand j'ai vu votre visage apparaître. J'ai l'impression que c'était Gouga. Mais en fait, non. J'ai seulement la coupe de cheveux. Oui. Exactement. Ah, c'est mieux. Bon, merci. Et non, ça fait deux fois hein, en trois semaines, David. Hein. Ah, c'est mieux que Richard. C'est plus une coïncidence. Ça fait deux fois. C'est bien. Ouais, bah, je vais peut-être la garder. Hein, ça va faire aller. Merci. Hein. Bonjour. Oui, donc moi, est-ce que Bastien, est-ce que tu as une question? Bastien Botte, qui a battu Arnaud Clément. Oh, bah, Bastien, redoutable adversaire. Hein, panel. Il n'est pas là, il est parti. C'est pas possible. Bastien, ne botte pas en touche. Réponds à Arnaud, s'il te plaît. Ouais. Non, mais il est parti. Écoute, Arnaud, on va te remercier. Et vraiment, tu as été génial de venir, d'être. Tu es là depuis 1h40. On est désolé pour les gens qui n'ont pas pu, qui n'ont pas pu parler. Olivier, voilà. Oui, Florian. Je pourrais poser une toute dernière question. Allez. La toute dernière, si Arnaud me le permet. Bien sûr. Comment voyez-vous le futur du tennis avec Patrick Mouratoglou qui veut instaurer le coaching généralisé, la réduction du temps des matchs, toutes ces nouvelles compétitions entre guillemets chaudes qui arrivent? Comment vous le voyez d'un bon œil? Vous êtes comment vous voyez cette nouvelle évolution du tennis? Ça, il y a des côtés un peu exhibition avec des formats un petit peu différents qui s'organisent. Depuis quelques temps, mais c'est pour ça que tout à l'heure on évoquait un petit peu les instances, et puis que ça serait bien justement qu'il y ait une instance un petit peu au-dessus qui régule un petit peu tout ça. Et puis on a vu notamment dans certaines déclarations de Federer, et puis je sais plus quel autre joueur aussi cette semaine pense que c'est une bonne idée, même que l'ATP et la WTA soient réunis sous une seule bannière. Donc ouais, je pense qu'il faudrait voilà quelque chose, un organisme capable un petit peu de réguler tout ça. Voilà, je dis pas qu'il y a pas des bonnes choses hein, dans toutes ces exhibitions. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais il faudrait vraiment justement c'est une instance pour qu'elle puisse à un moment donné gérer un petit peu aussi le côté calendrier, le côté format, le côté surface, et pour l'instant ça commence à partir un peu, mais ça va encore, mais il ne faut pas justement qu'on aille plus loin et que nos sports à un moment donné soient simplement régis par l'argent, et qu'un partenaire, quelqu'un, un sponsor arrive avec tant de millions, donc il va vouloir organiser à un moment donné sa compétition à ce moment-là sur telle surface, alors que ce ne sera pas forcément cohérent avec le reste du circuit. Ça va être compliqué. Voilà, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, et je pense qu'il est assez urgent justement d'avoir une réaction de ce côté-là. Il y a des petits mouvements qui nous montrent qu'il y a des bons signes, en tout cas. On verra. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à tout le monde pour votre présence. À la UC Tennis Paddle, on n'a pas fini de vous surprendre.
Merci beaucoup. On va essayer. Ah, je vois qu'il y a Christian. Alors, Christian, qui veut dire peut-être le mot de la fin. Christian Quesada, c'est le président de l'AUC Générale. Et voilà, je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, je vais te laisser quand même le mot de la fin, Arnaud. Et puis aussi Olivier. Je voulais d'abord remercier bien sûr Arnaud d'avoir accepté cette invitation. Tous les invités aussi qui ont participé. Il y en a certains que j'aurais pas besoin d'aller sur Google pour connaître leur carrière vu mon âge. Mais en tout cas, je voulais remercier tout le monde d'avoir suivi cette discussion, ces échanges très instructifs. Ça a permis un petit peu de sortir du confinement, c'est clair. Et je souhaite à tout le monde qu'on puisse se retrouver le plus rapidement possible sur les cours avec un beau soleil comme on a encore aujourd'hui. Voilà, Olivier, je voulais te remercier. Je pense que l'équipe, elle est présente et elle me l'a prouvé à plusieurs reprises. Et je voulais encore te remercier pour ce que tu es en train de faire. Voilà. Merci beaucoup. Et toute l'équipe à côté. Hein, Y a ces deux petits jeunes fabuleux. Olivier, Mathias, Raymond, il y a tout le monde. Lucas et le reste. Voilà. Exactement. Un président de section qui est extraordinaire aussi. Oui, je ne l'ai pas oublié, Raymond. On s'envoie les messages là. Ouais. J'essaie de découvrir un peu l'appli, mais c'est très bien, très très bien. Bon, ouais, merci Arnaud. Toi, Christian, pour toi. Avec grand plaisir. Et puis, si je peux me permettre aussi un petit mot de félicitations, vous avez compris, hein, je suis passionné de tennis et moi j'adore. Voilà, c'est pas du tout une contrainte pour moi de passer du temps avec vous et bien au contraire, j'aime partager, j'aime voilà être au contact des passionnés et voilà grand bravo en tout cas à toute l'équipe qui est vraiment très dynamique à l'AUC et qui a créé cet événement et qui en a créé d'autres avant et qui en créera d'autres après. C'était très sympa de passer ce moment-là avec vous. Vous m'avez fait plein de belles surprises avec des copains, avec mon frère, avec le grand Thomas Enquist. Et voilà, c'était très sympa encore plus dans cette période. Et bon courage à tous pendant cette fin de confinement. J'espère qu'on pourra bientôt retrouver le chemin des cours. Et voilà, je serai ravi en tout cas de passer du côté de chez vous à l'occasion sur les cours de tennis, sur les cours de paddle. Je connais très bien le chemin. Donc voilà, à très bientôt à tout le monde en tout cas. Merci Arnaud. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Jean-Claude Bousteau d'être venu, à toutes les personnalités qui sont venues, à tous les adhérents qui sont venus. C'était vraiment un événement important pour le club et on n'a pas fini de vous étonner, je vous le promets. On vous le promet tous, toute l'équipe. On n'a pas fini de vous étonner. Et voilà, Salut à tous. Et... Au revoir. Salut. À très très vite. Salut. À très vite. Merci. Ciao.